Oui, oui, peintre. C'est une journée un peu trop tranquille au pays des jouets et Oui, oui cherche quelque chose à faire. Je le trouve très beau ton tableau, Potiron. Tu l'as acheté où? Mais je ne l'ai pas acheté, oui, oui. C'est moi qui l'ai peint. Alors, quand tu veux l'image de quelque chose, tu peux la faire toi-même? Oui, c'est tout à fait ça. Le jour où j'ai voulu faire ce tableau, je suis allé acheter de la peinture et des pinceaux et du papier et de la toile. Avec tout ça, j'étais fin prêt. Ça a l'air très amusant. Est-ce que tout le monde peut faire faiseur de peinture? Évidemment, oui, oui. Mais il faut que je te dise, ceux qui réalisent des tableaux, on les appelle des peintres. Je voudrais être un peintre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tiens, prends déjà tout ça. C'est bien suffisant pour commencer. Merci, cher Potion. Tu n'as plus qu'à sortir et trouver quelque chose de très joli à représenter. Oh oui, oh oui, oh oui. Misère de misère, il y en a des belles choses à peindre, ma petite voiture. Je ne sais pas par où commencer. Des poulets qui bougent. Il vaudrait mieux que je trouve un sujet qui ne bouge pas trop. Voyons, un sujet qui ne bouge pas trop. Un sujet qui ne bouge pas trop. Ah, ça! Je vais peindre ce bel arbre. Lui, au moins, il ne gigotera pas tout le temps. Bonjour, mon petit Oui-Oui. Alors, à quoi t'occupes-tu pendant cette belle journée? Je vais faire un tableau avec cet arbre, monsieur le gendarme. Vous savez, je suis un vrai peintre. Oh, vraiment, tu es un peintre. As-tu déjà peint un tableau? Oui, oui. Non, en fait, je ne l'ai jamais fait, mais je voudrais vraiment essayer. Eh bien, il faut que ton essai soit un vrai coup de maître, oui, oui. Représenter un arbre, c'est très difficile. Pourquoi? C'est un sujet qui ne bouge pas trop. Oui, mais il y a tellement de feuilles. Personnellement, je ne prendrais pas un tel modèle. Cela dit... Tu as toute la journée devant toi. Je crois qu'il a raison. Il y a des milliards de feuilles sur cet arbre. Il vaudrait mieux trouver une chose plus facile à peindre. Ce bassin ira très bien. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de poulets qui courent partout. Ça va être facile.
Qui a mis ça là? Mademoiselle Ouistiti, la casse-pied, on ne peint pas avec une banane. On pourrait, mais ça lui donnerait sûrement un drôle de goût. Allez, ne te fâche pas, oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu peins ce bassin? J'essaie, en effet. Waouh, un grand artiste! Et combien de tableaux tu as fait? Montre-les. À vrai dire, ce sujet est une première tentative. Je vais commencer par du bleu pour l'eau du bassin. Pour l'eau, il y a toutes sortes de bleus. Bleu foncé, bleu clair, bleu vert, vert bleu. Oh, je ne savais pas tout ça. Et alors, comment veux-tu peindre sans les bonnes couleurs? Je crois que ça ne suffit pas d'avoir envie de peindre. Alors, oui, je viens admirer ce fameux premier tableau. Ce n'est pas la peine. Bon, laisse-moi quand même jeter un coup d'œil. Oui, la toile est toute blanche. Tu n'as rien peint du tout. J'ai d'abord essayé avec des poulets, mais Mirou m'a dit que c'était trop difficile parce qu'ils couraient partout. Mais oui. Alors j'ai choisi un arbre, mais monsieur le gendarme m'a dit qu'il y avait trop de feuilles. Voyons, oui. À la fin, j'ai pris un bassin, mais mademoiselle Ouistiti m'a dit que je n'avais pas les bonnes couleurs. Oh, je ne suis pas faite pour la peinture. Comment peux-tu dire que tu n'es pas fait pour ça alors que tu n'as même pas essayé? Un tableau qui ne donne pas grand-chose est toujours mieux que celui que tu n'as même pas commencé. Tu veux dire qu'on peut aimer peindre même si on ne fait pas tout parfaitement? Il faut bien commencer par quelque chose, oui. Tu dois d'abord peindre pour le plaisir. Alors tu penses que je dois continuer? Mais bien sûr. Je veux vraiment devenir un peintre. Et donc, je vais faire un vrai tableau. Ton tableau, oui. J'ai peint des choses qui me plaisaient. Le bleu, c'est le bassin. Le vert, c'est l'arbre. Et les taches blanches sont les poulets qui se promènent. Cet arbre est très joli, oui. Et l'eau du bassin est très bien. Oh, et on voit bien mes poulets aussi. Alors, oui. Tout le monde adore ta peinture. Merci. C'est vrai que ma peinture a l'air de leur plaire. Mais ce qui compte, c'est que je me sois amusée à la faire. Au fait, excuse-moi, oui, tu es un vrai peintre, finalement. Merci beaucoup. Que vas-tu faire de ta première toile? J'ai décidé de l'offrir à un collectionneur averti. Oh!